il étreint son patient de 78 ans en larmes le jour de Thanksgiving. La compassion, l'humanité derrière toutes les couches de protection et une photo qui a fait le tour du monde. Dans le regard de Joseph Varon, l'émotion, mais aussi la lucidité du médecin qui encaisse l'horreur tous les jours. Derrière l'image, voici le quotidien de cette unité Covid de l'hôpital de Houston. Pour entrer dans ce service, il faut se débarrasser de tous ses vêtements, enfiler une première tenue médicale, puis double test PCR et anticorps obligatoire. Voilà, ça c'est la deuxième couche de protection, cette combinaison. Et il faudra en revêtir une troisième avant d'aller rencontrer les malades en compagnie du professeur Varon. Il se fait appeler le chasseur de Covid. Le médecin de la photo, c'est lui, le docteur Varon. 267 jours de travail depuis le début de l'épidémie, pas un seul jour de repos et la bonne humeur chevillée au corps. Comment voulez-vous interagir avec un patient en ressemblant à un martien ou à un astronaute ? C'est pour ça que j'ai eu cette idée d'accrocher nos portraits. Parfois, je mets la photo de Brad Pitt. Et les patients me disent « Ah, vous êtes plus beau que d'habitude !» On veut rendre nos patients un peu plus gays, par tous les moyens possibles. Dans cet univers de bunker médical, bienvenue dans mon unité Covid. L'équipe fait tout ce qu'elle peut pour apporter un peu de chaleur humaine aux malades. C'est en espagnol, sa langue maternelle, que le docteur s'adresse à ce patient hispanique. Mais il y a urgence dans la chambre voisine. La situation de cette femme se dégrade. Il faut l'intuber. Elle se débat avant d'être mise sous sédation. La bonne humeur du médecin laisse place au professionnel urgentiste. Ça y est, elle est stable et elle devrait aller mieux. Elle était très malade. Si on n'avait pas agi vite quand ça s'est passé, elle ne serait plus en vie à cet instant. Dernière visite pour cette femme malade. Il la connaît bien. C'est une de ses infirmières. L'exemple de ces combattants de première ligne qui contractent le virus en sauvant les autres. Ne plus avoir de contact physique avec plus personne, ça ruine complètement le moral. Et heureusement, je connais le contact aux patients de Joseph Varon et je peux vous dire que beaucoup de médecins avec qui j'ai travaillé ont un comportement relationnel horrible. Dans un coin, ce photographe, il vient deux fois par semaine. C'est lui qui a saisi la célèbre photo. Ce jour-là, en larmes, le vieux monsieur voulait sortir retrouver sa femme pour Thanksgiving. Le docteur Varon a été obligé de lui dire non. C'est à ce moment qu'il l'a pris dans ses bras. Normalement, je ne prends pas le visage des patients. Mais quand le monsieur a plongé et caché sa tête dans les bras du docteur Varon, je me suis dit... Je ne peux pas rater ce moment. Vous savez, ces dernières décennies, je pense que la médecine a perdu un peu de son humanité. Et dans le contexte d'une saleté comme le Covid, c'est encore pire. Alors pour moi, c'est encore plus important de montrer qu'il y a toujours cette relation entre les docteurs et leurs patients. Les étudiants du professeur Varon sont à l'école de l'espoir, mais aussi de la réalité du Covid, où la compassion ne fait pas toujours des miracles. Ce matin-là, deux patients sont morts en même temps. L'interne Gabriel Cervera a lutté pendant 3 heures de réanimation, sans succès. C'est un patient de partie, puis encore un autre. Ça ne s'arrête jamais. Et oui, c'est épuisant. Parfois, on aimerait ne rien pouvoir ressentir, mais c'est impossible. On n'est pas des robots, des machines. On se rappelle de chaque patient. Une part d'eux reste avec nous pour toujours. L'histoire s'est mieux terminée pour le patient de la photo. Le Covid lui a pris son Thanksgiving, mais au final, c'est le monsieur de 78 ans qui a gagné la bataille. Il a pu sortir de l'hôpital il y a quelques jours et retrouver sa famille.